Et donc, et bah écoutez, c'est un plaisir pour moi. Donc bonjour, bonsoir, c'est Revan et on se retrouve sur l'épisode 2. Mon épisode 2 de Dead Space Remake. Hein, voilà, je suis très content de pouvoir enfin vous le proposer. C'est passé que quelques heures pour moi. Hein. Donc voilà, j'ai refait tout le début pour vous, pour vous montrer, pour pouvoir faire avoir le let's play sur ma chaîne. C'est incroyable. Donc je suis en direct sur Twitch. Hein, c'est le seul moyen que j'ai de tourner. D'ailleurs, Twitch ne reconnaît pas le jeu. Je veux dire, ça trouve. Bah, vous regardez même le premier épisode hein, que je vous ai proposé de ce remake. Dead Space, ça le met dans la section Dead Space, mais de 2008. Ça trouve pas le remake apparemment. Eh oui, de nom pareil. Station désormais accessible. Merci d'avoir patienté. Oui, alors. Pôle médical, ok, d'accord. C'est pas le pôle emploi, c'est le pôle médical. Alors, je vérifie. Hein. Ah, je peux retourner en arrière, là, au hangar de chargement. Ok, mais toutes les autres ratios, d'accord. On va devoir les débloquer un à un pour ça. D'accord. Ok, ok. Très bien. Non, mais c'était juste une petite vérification de ma part. Eh ben, écoutez, maintenant qu'on est bon, hop, j'ai récupéré aussi... Ah, oui, c'est vrai, j'avais oublié. Il faut que je l'équipe. Et il y a Heroes qui vient de me rejoindre. Salut, salut, bonjour Heroes, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Comment ça va? Ce soir. Ami du soir, bonsoir. Alors, équipé, hop, je vais le mettre ici. Tac. Voilà, parfait. J'ai encore deux semi-conducteurs à vendre. Et c'est quoi ça? Objet, une recharge de stase. Ah oui, c'est une recharge de stase, je suis con, je l'avais pas vu. Bien mangé, poteau. Et toi, tranquille, ça a bien mangé? Bah écoute, moi, repas léger, repas du soir. Donc tout va bien. Je suis content de pouvoir faire cette Dead Space. Regardez-moi l'ambiance, putain, c'est magnifique. Et franchement, t'as une putain d'ambiance là-dedans. Ouh là là, ça fait peur. Ouais. Eh, ça a plus de patates que l'original, hein. Alors, vous sentez pas, mais il y a la manette qui vibre. Ouais, j'ai bien mangé, bah c'est le principal. Après, la petite digestion, tranquillement, Heroes. On est bien. Hop. Ouais. Casse-toi. Attention. J'ai pas dû m'arrêter plus loin. Hein. Vous avez des nouvelles de Daniels? On a été attaqué et elle est partie dans l'autre direction. Non, rien. Le pôle médical est un carnage. Ils ont barré l'accès à la morgue. La morgue? Oui. Mais la barricade a été faite à la va-vite. Un réservoir d'hydrazine pour aller exploser. Il faudrait un détonateur, peut-être un défibrillateur. Nicole est peut-être de l'autre côté. Isaac, c'est lui qui nous a attaqués. Je suis certain que c'était Etienne. Mais... je l'ai vu mourir. Si la morgue a été barricadée, c'était peut-être pour y garder quelque chose. Mmh. Effectivement. Et y'a Rose qui me dit tu fais une vidéo. Bah oui Rose, le seul moyen que j'ai de... mon seul moyen pour enregistrer, pour faire mes let's play de jeux Xbox sur YouTube, c'est de faire des lives sur Twitch et de les importer comme temps fort, tu vois. Les mets en temps fort, comme temps fort. Et après je les importe sur ma chaîne YouTube. C'est le seul moyen que j'ai. Oh sinon crois-moi bien que là je serai en direct sur YouTube. Hein. Hop, Twitch c'est... je trouve c'est un peu plus secondaire pour moi. On y passe, j'y passe du bon moment, c'est cool, tu vois, mais... voilà quoi. Bon, alors oui, je voulais vous montrer un truc. Tac. Coucou YouTube. Ouais, mais personne voit le chat. Il y a Heroes qui dit coucou YouTube. Bah, n'hésitez pas à dire bonjour à Heroes, hein, si vous... si, n'hésitez pas dans les commentaires. Faut faire du trafic. Voilà. Hop. Ah oui, je voulais vous montrer, regardez. Hop, niveau 2. Habilitation de sécurité de niveau 2 requise. Alors que ça, dans le premier Dead Space, ils étaient rouges, ça veut dire que tu pouvais jamais les fermer, tu pouvais jamais les ouvrir, c'était mort. Donc là, il y a moyen qu'on ouvre tous les casiers du jeu, ce serait incroyable. Bon, il nous donne... oui, non, mais j'ai compris, merci. Requise. Là, il n'y a pas de message ou quoi que ce soit. Donc, voilà, voilà. La sauvegarde, évidemment. Attends, il faut aller où? On va suivre, mais d'abord, passons par là. Ouais, on va passer par là. Donc, dans mon inventaire, j'ai deux semi-conducteurs or à vendre. Voilà.
Allez, on vend tout ça. Vente d'objets réussi. Bah heureusement que ça a réussi quand même, oh. Voilà, parfait. Un boutique du CUC. Meilleur guide de l'humanité. Meilleur guide. Vente d'objets réussi. Ah d'accord. Ils font de l'autopub, dis donc. Et bah alors. Non, non, mais c'est bon, j'ai rien à acheter. J'ai acheté ce que je voulais. Ce matin, j'étais avec des potes, désolé. Bah pourquoi désolé? Non, non, mais tu fais ce que tu veux, Heroes, y'a pas de soucis, hein. Hop. Bah en tout cas, c'est... au moins t'as des amis. Ça fait du bien des fois de s'aérer de la tête, penser à autre chose. Là, c'est comme moi, mes matinales bif bref soul. Je pense qu'il va falloir que je prenne une petite semaine de repos, hein. On dirait pas comme ça, mais bon, devoir se lever, tout ça, tout ça, tout ça. Un peu compliqué. Lever, d'être bon humeur, d'être... voilà, quoi. Bon, même si, bon, moi, bonne humeur et moi, ça fait deux. Voilà, t'inquiète. Bah, ça me fait plaisir, moi, de vous voir sur autre chose que sur du Bleach Breath Souls. Ça me fait grandement plaisir, Heroes. Imaging Diagnostic Tabs, yeah. Regardez-moi cette ambiance horrifique. C'est quoi ce bruit? Alors j'ai dû monter le son parce que j'ai vu sur la vidéo qu'on n'entendait rien. Ah c'est lui! Ah oui d'accord. En tout cas plus Heroes. Il voulait passer de l'autre côté. Bon bah seul moyen. Hop là, tiens. Attends, je l'ai vraiment éviscéré, il y a vraiment des... Non, c'est qu'un effet graphique, ça va. Allez, très bien, parfait, tout ça. Hop. Ah oui, si, je m'en souviens d'ici. Mais ça a changé, ça ressemblait pas à ça avant. Ok, je voyais le truc et tout. Ok. Non, parce qu'en fait, cette salle, j'ai vraiment du mal à la revoir, quoi. Et je vois pas... j'ai encore Dead Space 1 à peu près en tête. Donc, j'essaie de me réhabituer, de me... comment dire? De me réapproprier les lieux. Counseling service. C'est un counseling. Voilà. J'ai pas dû aller bien loin, hein. Voilà, des munitions, c'est toujours bon à prendre. Que dalle à récupérer, là. Ah, une chaise roulante. La personne qui était ici était handicapée. Mais je peux prendre le gobelet. Attends. Sur le test. Dommage, le jeu. Moins 10 points. Ah, on peut le dire, moins 10 points. Hop. Donc voilà. Maintenant qu'on a la télé. On peut se faire attaquer à tout moment. Et si on testait... non, on va les garder. Cette arme. Bon, par contre, j'espère qu'ils n'auront pas fait la même erreur que Dead Space 2. C'est-à-dire nous donner des munitions d'armes qu'on n'a pas. Le Dead Space 1, il était plutôt utile, plutôt bien fait de ce côté-là. Pas de prise de tête. J'espère qu'ils vont continuer pour celui-là. Ouais, je vous disais, c'est l'un des gros défauts que j'avais dans Dead Space 2. C'est que parfois, même des armes que t'avais pas... autant, bon. Déjà qu'ils donnent des armes, des munitions d'armes que t'as pas, c'est déjà un problème. Mais en plus, ils te donnaient des munitions d'armes que t'as même pas achetées. Tu vois, que t'avais même pas dans ton inventaire, dans le stock ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est encore pire, quoi. Bon, j'espère que le mix audio va toujours bien. Putain, je vise. Ah, j'ai du mal à viser. Bon, heureusement, il est mort avant que. Habilitation de sécurité de niveau 2 requise. Ouais, je sais. Voilà, un point de force. Et nickel. Super.
Point force, il est juste là. Non, lui il est bien mort, donc tout va bien. Tout va bien, il est bien mort. Il est bien mouru. Il a mouru. Alors, tac. Donc du coup, j'ai même l'arme d'assaut. À mon avis, elle va me sauver la vie pour plus tard. Mais d'abord, avant de monter l'arme d'assaut, la tenue. Toujours plus de PV, ça fait plaisir. Voilà. Tac. Voilà, parfait. Bon, je peux, normalement, je dois publier ces épisodes une fois par semaine. Donc, n'hésitez pas à me dire. Rien du tout, hein. Parce que j'hésite à prendre la. Tu sais, j'ai envie de faire le jeu avec cette tenue-là. Enfin, avec ce. Là, avec l'original. Parce que la tenue. Remerciement. Peut-être s'ils découvrent une. Je sais pas pourquoi je l'ai. La tenue originale. Est-ce que c'est donné à tous les joueurs? Ou est-ce que je l'ai précommandé le jeu? Bon, un jour avant qu'il sorte quand même. Parce que. 80 euros! Ne l'oublions pas. Qu'est-ce que je disais? Ouais, ou alors est-ce qu'il faut qu'il détecte une sauvegarde des anciens Dead Space Je ne sais pas. Faut vraiment que je monte. Allez, d'accord. Par contre, ça, il y avait pas les énigmes. Et là, je peux pas y aller encore. Ok, j'ai pas l'accréditation. Ah d'accord, c'est soit là, d'accord, ok. Les deux autres, je peux pas les toucher. Ok, d'accord. Je me remets les choses en main. Je l'ai vu, de mes yeux vus. Hop, un petit coup de stade. Oh putain, regardez-moi ça, c'est accroché. Oh, dégueulasse. Mais j'ai bien aimé cet effet, je m'y attendais pas. Merci pour l'argent. Ouais, il y a des bruits bizarres. J'aurais préféré des bulles bizarres. Et Rose. Je préfère des bulles bizarres à des... Ah, d'ailleurs. Le kit de soins bien caché. Je l'avais. Oui. Allô. Pardon. C'est passé quoi là? Pourquoi la musique elle s'est emballée? Ah, j'ai pas capté. Si vous avez saisi l'instant. Infidèle! Putain, l'ambiance sonore elle est juste ouf. Je me tais quelques instants pour vous laisser profiter. Munitions de fusil, ça fait plaisir. Bon, au niveau des munitions, ça va pour l'instant. Je suis bien. J'avance doucement. Ah là là là. On est sur Series S, les gars. Series S. J'imagine qu'il n'y a pas de ray tracing. Contrairement à la série X. Ah, alors attends. Ok, d'accord. On peut aller là-bas. Toujours bon à prendre. Un peu d'observation. Et le bruit de la porte, il m'a fait flipper. Ah la vache! Alors, journal du pôle médical. Docteur Warwick, un psychiatre en chef, les traitements de privation sensorielle. Les diagnostics s'enchaînent tellement vite, j'ai à peine le temps. De quoi? Ouais, si, j'ai à peine le temps de traiter. Paralysie du sommeil, hallucinations, cauchemars, paranoïa. J'ai des patients qui viennent de tout le vaisseau. Aucune cause sous-jacente n'apparaît dans l'analyse environnementale, l'animation ou les niveaux de radiation. J'avoue que je ne sais pas quelle conclusion en tirer. Mercer dit que Kain et lui travaillent sur une hypothèse. Donc en attendant, je soigne les symptômes, je vois des améliorations avec les traitements de privation sensorielle dans nos capsules de traitement par zéro gravité.
mais la quantité de patients que nous générons m'inquiète. Ces systèmes sont anciens, ils ont besoin d'être modernisés avec autant de capsules actives. Je m'inquiète de ce qui pourrait arriver si une surcharge électrique se produisait. Même rien d'autre ne semble aider. J'imagine que les chances sont faibles. Je préfère prendre un petit risque calculé plutôt que d'avoir des dizaines de mineurs et d'ingénieurs affaiblis et pendant une machine lourde. Et dépendant d'une machine lourde. On voit la petite image. C'est sympa, c'est sympa. C'est du lore. J'espère que vous appréciez le lore. Cet instant, vous étiez privé. Bon, même si en vrai, je sais que moi, quand je regarde des let's play, je me dis, mais j'en ai rien à foutre. Avance. Montre-nous la suite. Oh putain. Oh putain, le jumpscare qui a bien marché sur ma gueule. Voilà. Vous entendez? Ah, j'ai failli passer à côté de ça là. Hop. On a joué le jumpscare. Allez. Salle de traitement. Ouais, je crois que je me suis arrêté là. Hein. Du coup, j'ai dû m'arrêter là dans la partie que j'ai fait juste avant. Donc voilà. Maintenant, c'est tout de l'inconnu. Pour moi, intensité médicale, vous pouvez voir hein, hop, ce que j'ai fait avant. Donc pour moi, on est dans la totale inconnue. À partir d'ici, je découvre le jeu. Bon, je peux pas y aller. Ok, donc il n'y a plus qu'une salle. Il y a l'ambiance avec la brume et tout. Ah, est-ce que c'est là qu'on va voir les bébés? Ah mais rien, tu n'oses pas, hein, tu connais tout, hein, nanana. Niveau 2, l'accréditation. Ok, Dr Warwick, ok, d'accord, ok. Ok, ok, ça me dit des choses, ça me parle. Et si j'y joue à... clinique. Eh ben, bienvenue à la clinique. J'ai à voir, c'est histoire de donner un petit peu une ambiance, tu vois, au jeu. Peng. Est-ce qu'ils l'ont caché encore, les développeurs? Telle est la question. Mais quelle sera la réponse? La suite au prochain épisode. Donc, merci de regarder. Nah, je rigole. Entrez wow. Entrez en zéro gravité. Ouais. Je suis vraiment en zéro gravité, là. Ils ont bien le son, bien travaillé, tout ça, alourdi. Quand il y a des trucs à récupérer. Puis quand je dis ça, on voit des trucs à récupérer. Et ben ça alors. Bon, 50 secondes, ça va, je suis large. Cette zone, elle existait aussi dans Dead Space, hein, mais c'était pas comme ça. Bon, évidemment, on peut remanier. Regardez-moi ça. Je suis désolé, attendez, je crois que... Allez, AG7. Ishimura. Et en plus, j'ai pas le meilleur plan, mais c'est magnifique. Voilà. Ouf, petite zone de vide. Zéro gravity. Please read. Ça par contre ils l'ont pas traduit, c'est dommage. Navigating zero G environment is dangerous. Donc naviguer en 0G dans un environnement en zéro gravité est dangereux. Only crew members, seuls les wearing gravity boots. D'accord. Seuls les membres ayant une Gravity Boots, spéciale dédicace à Dead Space 1. Ok, des Gravity Control, ok, ok. Bon, je vais pas tout lire parce que c'est un peu chiant. Oh putain, zone de 0G. Oh là. Propulseur 0 gravité. Utilisez le propulseur tenu des bottes. Ouais, ils ont changé ça. Ah, parce qu'avant dans Dead Space, dans Dead Space 1, il y avait que le mode de propulsion. On pouvait que se propulser. On pouvait pas se... Voilà. Ça, ils l'ont repris de Dead Space 2, ce mode de gravité, celui-là.
Voilà. Et oui les gars, avant c'était pas comme ça. En fait Isaac il faisait des sauts. Ah le boost, ouais. Ah là là, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec cette zéro gravité là. Comment ils vont l'implémenter au Dead Space 1 original. Je vous l'ai dit, ça c'est une feature qui est arrivée dans Dead Space 2, la manière dont tu l'as fait. Hop. Et comme ça je me replace comme il faut. Petit moment de grâce et tout, bien stylax. Je vous l'avouerai. Sortie d'une zone en zéro gravité. It's time. Alors pour l'instant, comme je vous disais, bah écoutez. Il y a certaines pièces que je reconnais pas. Bon, tu vas me dire, c'est normal, c'est un remake. Mais voilà, j'attends de voir vraiment les changements qu'ils ont fait, quoi. Ah, c'est mon objectif, ça. Bon, alors j'imagine que vu que mon objectif il est là, je vais ressortir, il y aura des mondes dans la salle de 0G. Évidemment. Bien souvent comme ça. Bonbonne d'hydrogène. Je tiens toujours la position. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez trouvé Nicole? Aucun signe d'elle pour le moment. Mais j'ai trouvé de l'hydrazine. Ça devrait marcher sur la barricade. Je dois trouver un défibrillateur. Ok, faites vite, Isaac. Ok, bah t'inquiète pas, on va faire vite, mon gars. On va faire vite. Vite qu'on peut. Allez, peut-être les premiers combats en 0G. En zéro gravité. J'entends les monstres. Ils doivent être pas loin. Mais où? Mais où sont-ils? Si vous les voyez. Ah d'accord, ok. Ah saleté. Ah saleté, bien joué. Je pensais pas qu'il allait faire une attaque plongeante. Allez viens mon gros. Oh, regardez les munitions qui flottent. Non mais je suis désolé, je suis impressionné partout hein. Et je suis bien content que j'ai une petite série S pour me faire tourner ce jeu. Pour avoir apprécié Dead Space, moi qui suis un grand fan. Ça me fait gravement plaisir. Allez, on va retourner en zéro. Là c'est Quoi ce bordel? Ça a secoué tout le vaisseau. Je vais voir. Ouais, il se passe des trucs. Ah merde, je peux pas passer par là. Bah alors? Ah je peux plus. Attends. Ah c'est pour m'obliger, d'accord, bien joué. Bien joué. Parce que dans Dead Space normal. Ouais, c'est comme t'as pas les l'antigravité. On a toujours du temps pour un peu d'argent. Il y a un truc qui s'est réveillé ou je ne sais quoi. Ah. De l'air. C'est juste une question de... Qui se souvient de cette chanson? N'hésitez pas si vous avez la rêve dans les coms à me la dire. Ouais. Je dirais un célèbre ami. Voilà. Bon, au final j'ai bien fait de l'améliorer ici. D'accord, c'est vrai que comme t'as en 0G. Ah non mais c'est une bonne utilisation quoi. Yeah. C'est pas un truc là. Un récup, non.
Je me tire. Ah, la porte qui était activée niveau 2. Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres maintenant? Eh, je suis toujours en 0G là. Ah, malheureusement, il n'y a pas trop le choix, je dois passer par là. J'ai bien fait de regarder en haut, hein. D'aller à l'inverse là où ils me disent. Oui, bah je fais du plus vite que je peux, moi. Sortie d'une zone en zéro gravité. Plan. Charger les plans dans la boutique. Ok, d'accord. Pour de nouveaux objets. Ok, d'accord. J'avais quasiment oublié ça. Objet clé, munitions à impulsion. Ok, si tu veux. Je regarde s'il n'y avait pas un truc à récupérer. Je vous dis, là, c'est totale découverte. Hein. Ça fait un petit moment qu'on y est passé. Quoi, ça doit faire du... Attention, où sont-ils? Ah, bien joué, le jumpscare. Ah, ils sont véloces. Mais si tu fais un peu attention. Ah, putain. La vache. Ils sont véloces et rapides. Et ils sont rapides, le mec. Véloce et comment dire. Ils ont une bonne constitution. Hop. Allez, hop. On va juste prendre un comme ça, tranquille. Voilà. On va rester dans l'économie. L'économie, c'est pendant que tu teases. Non, là, il y a rien que dalle. Ah oui, ah oui, ça, je leur balance à la gueule. Ça va faire des dégâts, non? Mais là, je peux pas passer, ok. J'imagine que j'ai dû faire un... Comment ça s'appelle? Un bon détour. Ah, c'est pour ça que c'était bloqué. Allez. J'avance la main à la main. Même prêt à dégainer. Ah d'accord. Putain, j'avais même pas connu l'endroit. On a fait un sacré détour, dis donc. Ah bah oui, bah oui. Faut que j'aille là-bas maintenant, ok. Evacuer this area immediately. D'accord, évacuer ici maintenant. Tout de suite. On va d'abord déposer le... Comment s'appelle? Le plan. Voilà, parfait. Munitions à impulsion, d'accord. Donc on a le schéma pour créer des munitions si on en a besoin. Ok, ok. Très bien. Donc bah écoutez. Continuons notre aventure. Parti. Petite sauvegarde, pas piquer des hannetons. Allez. Donc du coup maintenant, c'est parti mon Iki. Non franchement
Je préfère prendre des précautions. Merci pour la stase. Hein. C'est quoi? Where would you... Où nous serons... Où serions-nous sans la science? Ah, ça me rappelle quelque chose ici. Oh putain. J'ai complètement foiré mon ma stase. C'est pas bien grave. Merde, attendez. Hop. C'est mon portable qui s'est éteint, c'est là où j'avais le chat. Voilà. Ouais, ouais, je reconnais. Hein? Lancer appelé. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Empalement, je connais. J'ai beaucoup empalé, hein. Depuis septembre, je fais les 3 des incendies. Ouais, ça, je m'en souvenais aussi. Ah, dangereuse, carrément! De merde, je suis obligé, putain, mais je me suis bloqué. Non mais vas-y. Oh mais putain, coupe par hasard. Non mais vas-y, allez, tuez-moi. Ah non, allez, j'ai mal joué, je suis parti dans un coin là. Je vais me cacher dans un coin. Pas grave. On va recommencer cette séance d'action, tout va bien. Pas de panique, que personne ne nique, les gars. Ma première mort. Ah, c'était beau. Ah, j'ai même pas sauvegardé. Ah si, j'ai sauvegardé, c'est bon. Je recommence ici, ok. Du coup, ça me fait penser que je me suis même pas débarrassé du semi-conducteur or. Pour gagner notre petit argent. Bah, je dis or, mais je sais même pas. C'est bronze en plus. Je sais pas pourquoi je dis or. Voilà, parfait. Après, j'ai un peu de stage encore sur moi. Donc voilà, des recherches de stage. Des recherches de stage, mais tout à fait, Evan. Tout à fait. Bon, on va essayer de mieux anticiper l'action qui va se dérouler. Petite sauvegarde, obligé. J'ai vendu un produit, donc je sauvegarde. C'est l'obligation d'un homme. Allez. On ne sait jamais ce qui nous attend. Ça, je me recharge de la vie. Hop. Anomalie dangereuse détectée. Et voilà. Oh, bien joué. C'est pas fini. Putain, d'accord, oui. Et c'est pas fini. Regardez, je peux prendre aussi normalement. On peut prendre les membres là. Faut les auto-empaler. Où sont-ils? Ils se cachent. Vous avez peur du grand Isaac Clarke?
là-bas il y a un truc, ok. Toujours en zone de quarantaine, donc ça doit venir à mon avis, je dois descendre l'ascenseur. Oh, oh c'est vrai, j'ai empalé, j'avais oublié. Je l'avais empalé. Empalé, c'est pesé. J'espère que vous appréciez mes jeux de mots. Toujours aussi fugace, aussi subtil. La subtilité et moi, on ne fait qu'un. D'ailleurs, allez voir, je vous invite à aller voir tout de suite sur le dans le dictionnaire. Allez voir subtilité, vous y verrez mon nom. C'est pas des trucs à récupérer, on sait jamais. Tout argent est bon à prendre, hein. Même quand t'es en situation de stress. Voilà, c'est ça qui mène. Je l'ai bourriné lui. Voilà, bourrinade. Tiens ton pote. Bon. Là, il n'y a pas trop le choix. Eh ben merci. Allez. Un peu de vie, voilà. Ah putain, j'avais pas vu qu'il y avait une pompe à stase. Putain, mais sinon je l'aurais pas fait, les gars. Les gars. Oh putain, mais quel idiot. J'ai mal observé mon environnement. Une erreur fatale, le boulet. Alors, peut-être une petite anecdote. Quand j'ai fait la Dead Space la première fois, je n'avais absolument pas les touches de raccourci, vous voyez, pour me remettre de la vie, pour me remettre de la stase. Donc à chaque fois que je voulais me mettre de la vie, surtout en plein combat, je revenais dans le menu. Voilà. Donc je m'étais rajouté une difficulté en plus. Et ça pendant ça c'est 8 premiers épisodes à peu près. Allez. Moi je suis curieux, je suis un homme curieux. Je veux aller voir. Il y a des trucs là. Nicole ? C'est moi. Et non, il n'y a pas Nicole. Oh, par contre, j'ai bien fait de venir ici, hein. Décidément. Plein de trucs à récupérer. Ah. Journal personnel de la docteure Nicole Brennan. Avec les médicaments et les traitements par zéro gravité, l'état du patient Harris s'améliore. Si ça continue, l'espoir est permis pour les autres sur Aegis 7. Mais le docteur Mercer continue d'interférer. Selon lui, les délires d'Harris sont significatifs sur un plan religieux. Si je dois déposer un recours, je le ferai. Je ne perdrai pas un patient pour des histoires d'unitologie. Plus jamais. Ah ! Recherche de signal de rig, docteur Nicole Brennan. Localisation de rig non concluante. Recherche manuelle de rig disponible. Un menu mission. Ah, fouiller les urgences. Ah, mission annexe. Tiens. Y a cette boîte qui est hantée. Ça c'est censé être un jumpscare. Docteur Nicole Brennan, officier médical, séance de conseil, transcription pour la patiente non censurée. J'ai lancé l'enregistrement, votre nom n'apparaîtra pas dans la transcription. Merci, c'est tellement difficile de se souvenir de ce qui est réel. Votre mentor de l'église vous a encore parlé. Il sait que ma copine et moi souhaitons partir, je le sens. Notre dernier séminaire était consacré aux hérétiques. Sur le fait que les unitologues qui partent sont les ennemis de l'humanité. Docteur Brennan, l'unitologie est suffisamment grande pour se débrouiller. On parle de ce qui est bien pour vous. Mais faites attention à vous, l'église fait ça quand elle se sent menacée. Ils ont aussi des neuropsychiatres.
Même si vous partez, ils essaieront de... Docteur Brennan. Excusez-moi, je passé quelque chose. J'ai vu une patiente qui... J'ai essayé, son fils a fait aussi tout ce qu'il a pu, mais elle... je me battrai pour vous. Je ferai... Ah, d'accord, je ferai tout mon possible. Mais ne vous souvenez pas, j'ai jamais la phrase de l'église. Mais oui, mais j'avais pas fait le rapprochement. Elle parle d'Isaac, c'est vrai. C'est Isaac qui a été... comment dire. Ouais, quand elle parlait de son fils, tout ça, tout ça. Ouais, la patiente, elle perdra plus jamais à cause de l'hymnotologie. Bon. Let's go. Première mission... je dois détruire la barrière pour atteindre les urgences. D'accord, donc d'accord, ok. Donc on fera la mission annexe quand j'aurai fait la mission principale. D'accord, d'accord, bah très bien. Merci le jeu. Restons polis. Voilà, j'ai bien fait de venir fouiller ici, hein. Comme quoi la fouillance valait le coup. Bon, j'imagine que là sur Series X, PS5 et tout, tu dois voir le reflet d'Isaac. Ça doit être super joli. Hop. J'ai dit j'imagine, hein. Ça se trouve, c'est pas du tout le cas. Hop. D'accord, d'accord. Je suis content d'avoir trouvé le document sur Isaac, tu vois, qu'ils enregistrent le lore et tout. Parce qu'il me semble que ça, tu les avais pas, hein. Donc, encore une fois, je me répète. Épisode en épisode, mais il me semble que tu les avais pas. Les douches médicales, on va dire. Journal d'intervention du docteur Chalus Mercer. Copie sur mon terminal sécurisé. J'ai convaincu Jürgens de me montrer le flux vidéo. C'est remarquable de voir enfin ce que j'ai cherché toute ma vie. Les mineurs, cette transformation, ils défient la mort elle-même. Kain fait preuve de prudence. Sa foi a été ébranlée par ces nécromorphes, comme il les appelle. C'est étrange, alors que ma propre foi a été si richement récompensée. Avec ou sans Kain, je dois étudier l'une de ces créatures. Ou ce qui s'en rapproche le plus. Le patient de Brennan, par exemple. Le patient de Manicole. D'ailleurs, Nicole, ni clou, ni vis. Hein. Ok, donc on a fait le tour. De quoi ? Échantillon de tissu ? Nécessaire ? Attends. Il faut que j'utilise la machine ou Bon, on verra bien. Allez. Bon, bon, bon. Continuez évidemment. Mais avant. Plein de recharge de stase, pas mal. Hop, toujours de plus d'argent. Ah, les munitions, elles se font moindre, j'ai l'impression. J'ai l'impression. Le plan, hop, la sauvegarde juste à côté. Ça sent le... La baston. Hop, culture plasma. Est-ce que je l'améliore ou est-ce que je suis améliore l'arme d'assaut? Attends, là, 40 points de dégâts et le cutter. Ah, 110, ok. Capacité, le cutter plasma. Ah, mais oui, putain, j'avais pas vu que j'en avais pas, loul. Ah, je suis trop fort. Bon, la tenue, ouais. Hop. Désolé. 4.1. Version 4.1. Tiens. Eh, ce serait pas une référence, ça, 4.1? Genre il y a eu des Space 1, 2, 3 et là c'est le remake donc c'est la version 4.1. Je me demande s'il n'y a pas un petit, une petite ref là, à voir. Enfin, si les développeurs se sont pas amusés à faire la petite ref. Allez. Sauvegarder, parfait. Allez, venez. Ah, ça me dit des choses ici. It's the baby time.
Attention, pas DB Time, ça n'a rien à voir. Même si je les aime beaucoup. J'apprécie leur contenu plutôt. Ils arrivent, ils sont là! Niveau 3, donc ouais. Je vais être amené à revenir ici. Bon, et ben on y est. On va devoir affronter ces bébous. Bébous! Oh mes bébous! Aïe. Je vais être matinal, j'ai mal. Il y en a d'autres. Des nécromorphes potentiellement. Ah, on voit plus là, on voit plus en effet. Alors je suis désolé, je prends un peu mon temps parce que je suis passionné. Je suis non, c'est pas de la passion, c'est curieux mais fasciné, voilà. Attention, le fameux test. Voilà. Qu'est-ce qu'ils font là-dedans l'autre? Est-ce que c'est le docteur Mercer là qui faisait ses expériences? Bon. Bon bah désolé mon gars hein. Au cas où. Hop, je gagne plus. Oh, je peux voir. J'ai étudié une femme enceinte ou je sais pas quoi là. C'est ça. Objet, erreur administrative. Le spécimen 426 est prêt à être récolté. J'étais sur le point d'avertir Alvarez pour qu'elle prépare un congé médical. Mais quand j'ai vérifié la base de données, j'ai vu que l'officier seconde classe Sabot était passé devant elle. C'est vrai? Alvarez est sur la liste d'attente depuis 3 mois maintenant. Je croyais que les greffes de bras étaient prioritaires sur une greffe de cornée. Ah. Avec, par contre, là, c'est un peu aliasé là, mais ouais. Tadam. Bon, on a assez regardé, on a assez rigolé. On avance. Putain! Oh le bébounet, bien joué! Oh bébou! Moi j'étais en pleine admiration de. D'Espécienne! Non, non, tu ne m'auras pas! Qu'est-ce qu'il me jette après? Bonjour bébou! Bébou! Allez, viens là mon gros! Voilà, faut leur couper deux tentacules. Bien joué, je l'avais pas vu venir celle-là. I never see it coming. Attends, il est où? Ah, il est là, je me disais. Mais arrêtez de me donner de l'argent, donnez-moi des munitions. Au bout d'un moment. Le jeu, ça y est, il se fait radin. Il a fait, non, non, on lui a trop donné de munitions, ça suffit. Ça y est, tu t'es bien acclimaté. Je dis ça, il me donne des munitions, putain. Ah, mais je veux dire des munitions de trancheur. De trancheur, c'est pas du trancheur. C'est des munitions de... Et d'emplacement. Bonsoir Dima. J'ai des nuits difficiles et je viens regarder ce jeu de l'enfer. Le respect de... Je respecte pas mon cerveau. Carrément. Salut Dima, salut, salut. Eh ben écoute, désolé pour tes nuits difficiles. Hein. Écoute, j'espère que tu prendras un peu de plaisir à me regarder jouer à ce Dead Space. Un remake. Hop. D'ailleurs, ça fait combien de temps là? Ouais, ça fait presque 50 minutes à peu près, on va dire un peu moins. Pas tarder. Hop. Allez. Continuation. Ah mais oui, putain, j'ai fait tout un détour, la vache. Ah ouais. Donc quoi, hein. Moi et l'espace, ça fait deux. Bon, le point de force, c'est toujours un plaisir.
Ah, c'est pour le défibrillateur. Ok. Daniels ne répond pas au lien Rig. Vous en êtes où? J'ai trouvé un défibrillateur à utiliser sur la barricade. J'y retourne maintenant. Attention à la tension sur cet appareil. Je veux perdre personne d'autre. Ne t'en fais pas. Voilà, défibrillateur, let's go. Attends. Installer la charge explosive. Ok. Mais du coup, ça veut dire que on aura le droit à cette mission exclusive. Enfin, cette mission annexe. Donc, bah, évidemment, on ira faire la mission annexe. Ça y était pas, ça y avait pas de mission annexe. Hein. T'avançais, tu faisais ta mission et t'avançais dans le Dead Space original. C'est tout? Allez, pas une petite attaque de nécromorphe? Une petite dernière attaque? Ah non, mais attendez, on n'est pas à l'abri. Oh, regardez ça! Oh, le petit bug! Oh, c'est mignon! C'est mignon! Ouais, c'est plus gentil, je te déplace. Dis-moi merci. Allez. Parfait! J'ai cru entendre un bruit! Ouais, voilà, quand je vous ai dit. Putain, bien joué! Bien joué! Ah, mais donnez-moi des munitions! En tout cas, il y a le sang qui est sur la tenue, c'est pas mal. Hop! Une petite trousse de soins, nickel. Il me semblait bien avoir entendu un bruit. Hop! Eh! Et donc, on a fait de sacrées allées-venues, n'est-ce pas? J'ai un plan à mettre là-dedans. Voilà, parfait. Ah, je vous l'ai dit, regardez. Putain, attends, inventaire. Non, coco inventaire, je suis bien en munitions là, ça va. Ah, ça va, j'en ai trouvé pas mal. Peut-être que là, j'ai atteint mon maximum, donc le jeu il m'en donne moins. Peut-être qu'il est équilibré comme ça, je sais pas comment ils ont codé le jeu, les gens. Bon, et ben on installe tout ce qu'on a installé. Voilà. Vite! Allons nous cacher. Voilà. Bon, bah, de toute façon, j'étais obligé de venir là donc. Belle embuscade, dis-moi. Ah ouais, non, mais carrément. Et franchement, là, en plus, je suis au casque audio, là. Le son, il est parfait. J'entends le moindre truc. Même le cœur d'Isaac battre. Trouver le corps du capitaine. De sécurité de niveau 2, requise. Objectif mise à jour. Ok, d'accord. Donc, attendez, là, on va pouvoir mettre... Voilà, suivre. Attendez. Regardez un truc. Les urgences, ok. Bon bah écoutez, vous savez quoi, je vais faire une petite sauvegarde. Et YouTube, on va s'arrêter là pour cet épisode. Merde, la sauvegarde est à côté. On va s'arrêter là, moi je vais enchaîner direct avec l'épisode 3. Je vais prendre l'avance. Donc voilà. Hop, donc n'hésitez pas à faire un petit coucou à Dima et à Heroes là, qui sont passés, ça fait plaisir. Donc voilà. Donc YouTube, écoute, bah on va s'arrêter là pour cet épisode, j'espère que tu as apprécié. Là c'était en totale découverte quasiment. Voili voilou. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce remake. Voilà, si vous avez fait les jeux d'origine à l'époque, tout ça. Si vous trouvez que je joue comme un dieu. Non, je plaisante, c'est pas possible. Bref, sur ce, bah écoutez, merci d'avoir regardé cet épisode. Hein, je vous invite à lâcher le petit pouce si vous me découvrez avec ça, à vous abonner, tout ça. La ranguette du youtubeur. Bah écoutez, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, profitez de la vie. Et moi je vous dis à bientôt sur le réseau. Allez, ciao.